On est arrivé à Paris. Ok, laissez-moi vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Un matin, à 16h, je tombe sur un casting. Bon, qui ne tente rien à rien, je participe en postant cette vidéo. Bonjour, agent Lely, votre mission aujourd'hui sera de vous présenter en 30 secondes, pas une seconde de plus pour le casting de Bisby. Bah allez, dépêche-toi, il en reste plus que 20. Salut, je m'appelle Eulalie, j'ai 17 ans et j'habite à Lille. Mais qu'est-ce qui fait que je suis un agent nique ? Ma mission est d'envoyer un maximum de positivité. Je suis aussi un agent multifonction, en effet, j'ai plein de passions dans la vie comme la mode, le patinage, la photo, la vidéo et surtout, surtout le cinéma. Ta mission, Bisby, si tu l'acceptes, c'est de m'intégrer au nouveau groupe. A bientôt. Il se peut que BZB ont accepté la mission et me voilà ambassadrice de leur marque. Bref, ils ont organisé un événement et j'ai été invitée. J'ai donc dû organiser 24 heures à Paris en dernière minute, mais c'était cool. What you know about going out, head west, red legs, TVs, all up in the headrest. Trying to live it up, rock jewel, bigger truck, peace all glittered up, stick of kin, what? Jig with a cut, Chris spit it up, rock, get your n***a till I can't get it up. Pour l'instant, tout va bien. Ah mais je vais tout filmer là, à partir d'un an, ça y est. Il faut un maximum de contenu enfin. Ah, vite, j'ai pas envie de me coincer dans la porte de l'ascenseur. Non, ça veut dire bon. On est arrivé à Paris. Ah, swag. Ah, c'est beau, mais c'est sympa. Oh, mais c'est beau en vrai. C'est des échantillons. Attends, y'a pas des échantillons, non. Ils ont envie des verres. Attends, faut que je fasse un room tour. Donc là, on a un petit truc comme ça. Ensuite, il y a la chambre, plutôt sympathique. Et une petite salle de bain. Cute. On va manger ? Oui, ah, ok, je trouve. Allons manger après tout ça. Il y a beaucoup de vis-à-vis, quoi. Bon. Montmartre, c'est du sport, hein. Ah, c'est trop beau. On dirait trop comme dans Emily in Paris. Toi, je viens de dire un truc con. Anissa, j'ai eu un nice contact avec un BG parisien. Oui. Mais c'est la rue de Instagram. Mais c'est magnifique. Suivons le beau gosse. Je peux... Il m'a demandé mon snap. Je me sens saucée. Ça fait même pas 10 minutes, je suis dans la ville. Mais non, mais je rigole. Mais non, mais attends, ça m'arrive nulle part à Paris, ça y est. Je suis une 10 sur 10. Je vois qu'ils essayent de parler français et tout. Pas votre vie. Ça va? Et moi j'ai en anglais. Mais ils m'ont perturbé. Vous voulez qu'on parle quoi? Néerlandais, français, anglais, on est d'accord s'il vous plaît? Ça m'a fait rire. Hein. C'était marrant comme petite situation. À présent, nous allons essayer l'expérience sociale du métro. En fait, le métro, c'est un labyrinthe, genre c'est quoi ça? Il faut rejoindre une C. Ouais. Ah, mais je voyais pas ça comme ça. Ah, le retour à la vie, le soleil. C'est beau, hein? C'est beau hein, quand c'est en travaux. Regardez comment on se fait douiller, elle est en rénovation. Ça c'est faux, je viens à Paris. Et il a quand même pas mal d'être ça en guise d'arrivée. Oh, j'en peux plus, j'ai mal aux pieds. J'ai envie de me laver les mains, j'ai l'impression qu'il y a le Covid sur mes mains, c'est un truc de zinzin. Ah bon? Oui. Pas toi? Moi, non. Alors, bonjour tout le monde. On vient de rentrer à l'hôtel et on va se préparer pour aller à un événement Bisby. Pour la fame. C'est bon, on est prête. On y va, c'est parti. C'est vrai qu'à Paris, les gens ils tiennent pas leur vie. Ils traversent en plein milieu de la route. Les deux madames, elles le parlent en plein milieu d'un carrefour. Enfin, ça va pas la tête. Miami. Coucou. Bon alors je prends en otage, j'espère que vous allez bien. On est sur le vlog de Lani, je n'en ai rien à faire. On est un event Bisby, c'est très cool. Bah voilà, je vous fais des bisous et bah bonne soirée.
Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban or Asian. Les gars, c'est incroyable, on a vu plein de gens hyper famous, c'est incroyable, je suis hyper reconnaissante de ouf. Bref, bisous, je vais m'endormir tranquillement sur mes deux oreilles. Je peux mourir tranquille actuellement, c'est bon. Je vlog dans Paris, la main en l'air, j'en ai rien à foutre. Bon, on va dans un truc beaucoup moins chic d'un coup. Hein. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. C'est très bien. Contente d'être ici, c'est trop bien. Elle l'a dit 10 fois. Mais oui, mais je suis tellement reconnaissante d'être à Paris pour genre un événement. Là, t'as pas enfin. My god, mais c'est incroyable. Je veux un appartement en semaine quand je serai grande. Ah bah l'année prochaine t'as 18 ans. Et ben je vais habiter à même Paris. Pas l'année prochaine au fait. Ah cet été j'ai 18 ans. Ah la manufacture de l'acteur, mais Anissa, on attend quoi? Paul, si des producteurs ou des réalisateurs ou des directeurs de casting veulent de nous dans leur film, bonjour, je me présente, je m'appelle Eulali et mon rêve c'est d'être actrice. C'est tout? Bah ouais, mais je pense que là je suis convaincante, non? Ok, une journée incroyable. Bon, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Trop de trucs. Déjà, je me suis fait draguer par un néerlandais trop beau. Après, on a géré le métro, truc de ouf. Je me suis cassé la gueule. Tu t'es cassé la gueule? Ouais, tu t'es cassé la gueule. Je me suis cassé également, oui. On a rencontré Thomas Goldberg. S'il passe par là, genre, mec, t'es incroyable, t'as un rayon de soleil. Bah, c'est incroyable. Déjà, être invité à un événement avec des stars. Qu'est-ce qu'on foutait là-bas? Après, je... Eh, mais on a vu la tour Eiffel aussi, madame Adrienne, genre. Bref, c'était incroyable quand même. Non. Elle pète la chambre. Oups. Bref, bisous. On va pioncer demain. Rendez-vous 8h30 au petit déj. Un rideau à moi-même, c'est pas possible. J'ai voulu me casser la cheville. On a eu chacun ses problèmes. Bref, nous on va dormir et on se retrouve demain 8h30 au petit déj. Et voilà quoi. C'était une journée incroyable. Trop reconnaissante, trop contente, trop heureuse. Bref, bisous. On va manger! C'est tout? En plus, c'est un petit déj de l'hôtel, c'est incroyable quand même. Moi, j'ai hâte. Bref, on va grailler. Bisous! Ça sent trop bon, Anissa. Après que je sois rentrée, genre hier j'étais externuée, j'ai pas pu finir la vidéo. J'ai passé 2 jours incroyables, j'ai rencontré des personnes incroyables. Je suis tombée également amoureuse de la ville de Paris. Bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une vidéo. Et n'oubliez pas de bosser fort si vous avez des projets, des objectifs. Je pense que tout est possible à qui rêve, ose et n'abandonne jamais et travaille. Bref, je vais finir le vlog là parce que sinon on va partir dans une vidéo motivation, ce n'est pas l'intérêt. Mais bref, j'espère que ce petit vlog vous aura plu et moi je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous.